Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal, la carte NINA, numéro d'identification nationale, nécessaire pour voter le 28 juillet prochain, mais la retirer n'est pas chose aisée devant les centres de retrait. De longues files se forment tous les jours et cela pendant des heures. Les citoyens se plaignent de la lenteur de l'opération et de la non-disponibilité de certaines équipes en charge de la distribution. Une de nos équipes de reportage. Et à tout quel centre du district de Bamako. Quand l'intérêt d'une activité est bien compris, l'adhésion devient facile. L'évidence, c'est bien l'opération de distribution des cartes NINA, une opération qui a débuté le 28 juin 2013. Depuis cette date, l'affluence ne cesse de croître. Là, le précieux sésame devient un véritable parcours de combattants. Les citoyens témoignent. Depuis à 6h du matin, je suis là, je n'ai pas eu ma carte. Bon, on est là jusqu'à présent, il n'y a même pas un membre de bureau qui est dans la salle pour nous remettre les cartes. On ne sait pas pourquoi ça, là, on fait ça. Devant les centres de retrait des cartes, de longues files se forment pendant des heures. Officiellement, l'opération doit débuter à partir de 8h précises et prendre fin à 18h. Ce n'est pas le cas dans tous les centres. Témoignage. À chaque fois, on vient, eux, ils commencent le travail à partir de 10h. 16h, ils vont fermer tous les bureaux. On est là plus d'une semaine, on cherche nos cartes. Une information vite confirmée au centre de retrait de Boulikassombougou en commune 1, logé dans l'école publique du quartier. Il est 9h, aucune équipe de distribution des cartes n'est sur place. C'est à 10h que le chef d'équipe de la salle numéro 2, Bouakar Suleiman, se présente et explique ses retards. On a qu'un seul véhicule pour la seule commune. Le véhicule récupère les cartes NINA au niveau du 6e arrondissement, donc il les achemine dans les différents groupes scolaires de la commune. Il y a plusieurs quartiers au niveau de la commune, donc c'est ce qui est dû au retard de l'arrivée des cartes au niveau du centre de distribution. Outre le retard, l'opération est également jugée lente. Les agents qui en sont chargés, tous n'ont pas le niveau requis propos des citoyens. Même constat fait au groupe scolaire de Misra en commune 2. Certaines personnes interrogées proposent au gouvernement de revoir le dispositif en multipliant par exemple les salles de retrait. Contrairement au centre de retrait de Boulikassombougou et de Misra, pas de problème à Tominkorobougou en commune 3 du district de Bamako. Ici, l'affluence n'est pas grande et l'opération se déroule normalement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 4600 cartes distribuées sur 9750 qu'on a à notre disposition. On est à la moitié des cartes distribuées. Dans les différents centres de retrait des cartes NINA, les forces de sécurité veillent au grain. Aucun incident n'est à déplorer, du moins jusqu'au passage de notre équipe de reportage. Les services se passent normalement. Pour un début, le monde n'était pas à la hauteur, mais actuellement, vraiment, la population commence à sortir. Et de temps en temps, il y a des petites mésententes. Quand même, on parvient à sécuriser les services. On est là pour la sécurité des citoyens qui viennent récupérer leurs cartes et les agents qui sont là pour donner les cartes. Bon, pratiquement, on n'a pas eu de difficultés. Tout va bien ici, tout se passe bien. L'opération de retrait des cartes NINA se poursuit jusqu'au 27 juillet. L'obtention de cette carte est un préalable au vote à l'élection présidentielle à venir. Voilà, c'est justement pour pallier les insuffisances dues à la distribution de ces cartes NINA qu'une délégation du ministère de l'administration territoriale a visité hier 4 centres de la rive droite. Face à certaines difficultés constatées, le département envisage de nouvelles mesures pour faciliter l'accès des citoyens aux cartes NINA. Moussa Fane. C'est pour s'enquérir des conditions de distribution des cartes NINA qu'une délégation du département en charge des élections s'est rendue dans quelques centres de la commune 5 du district de Bamako. Au cours de cette visite, certaines difficultés ont été constatées pour les retraits des cartes, notamment l'insuffisance des agents de distribution et l'orientation des citoyens. Qu'on laisse quelqu'un à la porte, à l'entrée, qui puisse orienter les gens et leur dire, bon, en fonction de l'initiale de votre nom, qu'on puisse indiquer aux gens, bon, c'est le bâtiment numéro C ou bien le bâtiment numéro 10, ou bien qu'on lui indique par la main, c'est tel endroit que vous pourrez trouver votre carte. Les autorités reconnaissent ces insuffisances qui ne sauraient tarder à être corrigées, selon le directeur général de l'administration du territoire. Les constats ont été établis, nous avons mesuré les insuffisances et les mesures correctives seront apportées pour améliorer la situation, la fluidité de la remise de la carte NINA.
et ces mesures vont rentrer en vigueur dès demain. Donc au niveau de Bamako, le constat c'est vrai, il y a une grande influence. Il faudrait que nos équipes soient en mesure, en capacité d'accueillir les populations et qu'elles soient en mesure de remettre les cartes dans un temps record. Que l'électeur potentiel puisse disposer de sa carte dans un minimum de temps. L'affluence est surtout grande devant les salles où sont affichés les noms des familles commençant par les lettres C, K, S et T. L'irrétrait de la carte d'autrui est subordonné à la présentation de la pièce d'identité ou des récépissés d'enrôlement du RAVEC de ces derniers. Le ministre a pris une autre décision pour modifier la première qui consiste à assouplir les conditions de délivrance des cartes NINA. Et ces conditions reposent essentiellement sur tous les documents administratifs dont l'électeur peut disposer pour enlever sa carte NINA. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quelqu'un qui a sa carte d'identité ou un carnet de famille ou un passeport ou un livret de famille ou en tout cas tout autre document administratif qui comporte la photo de l'intéressé, la personne peut se livrer, y compris sa carte NINA de ses parents. Donc ça, c'est une mesure qui s'applique à partir d'aujourd'hui à l'ensemble du territoire national. La visite a concerné les groupes scolaires de Kalabankroa, Dadabougou, Sabalibougou et Bakodjougourouni en commune 5 du district de Bamako. Même constat partout où la délégation s'est rendue. Pour l'aspect sécuritaire, tout se passe normalement selon les agents sur place. Toujours parlant des élections, ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013, le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, des candidats à l'élection du président de la République, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections, que la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République sera rendue publique le jeudi 4 juillet, aujourd'hui même, à partir de 16h. Au siège de l'institution sise à l'ACI 2000. Les exciseuses de 11 villages de la commune rurale de Yélékébougou disent non à l'excision, une décision prise grâce à l'appui en sensibilisation de l'ONG Tanyé qui lutte contre ce fléau depuis 6 ans. Le reportage de Khadija Toukone. Fortement engagée dans la lutte contre l'excision, l'ONG Tanyé a réuni, grâce à des sensibilisations, 11 villages de la commune rurale de Yélékébougou pour la signature d'un protocole de la pratique de l'excision. La rencontre s'est déroulée à Ngolofala, un des villages concernés, et c'est dans la joie que les populations ont accueilli les membres de l'ONG Tanyé, l'UNICEF et le Programme national de lutte contre l'excision PNLE. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a été organisée pour honorer à juste titre les vaillantes populations de la commune de Yélékébougou, elles qui nous ont procuré la joie de l'éradication d'un fléau, à savoir la pratique de l'excision. C'est pourquoi tous les 17 villages que compte la commune de Yélékébougou ont signé le protocole d'abandon de l'excision à raison de 6 villages en 2010 et les 11 restants aujourd'hui. C'est tout l'enjeu porté par le PNLE en rassemblant les associations et acteurs de la société civile engagés sur ce sujet au Mali. Il vise à mieux informer et sensibiliser les citoyens sur cette pratique portant atteinte aux droits. En effet, ce réseau que l'ONG Tanyé a su développer avec les communautés et les autres partenaires de terrain. L'information, l'éducation et la sensibilisation des populations sur les conséquences graves et multiples sur la santé physique, mentale et sociale de la femme, de la petite fille et partant de la famille font partie sans nul doute des stratégies de communication
pour arriver à ce résultat que nous célébrons aujourd'hui. L'excision est pratiquée à 97% dans la région de Koulikoro. C'est ainsi que les villages de la commune rurale de Yélékébougou, tous présents ici à Golofala, ont décidé de dire non à l'excision. Et leur slogan est désormais « Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines ». La coordination des jeunes musulmans pour la foi et le développement du cercle de Kaï vient d'organiser une journée de consultation gratuite en prélude au mois de Ramadan à l'endroit des personnes âgées de la cité des Raïs. Le compte-rendu depuis Kaï de Mahamadi Alioubari. Cette journée de consultation gratuite en faveur des personnes âgées intervient en prélude au mois de Ramadan, mois de la solidarité et du partage, et permet aux fidèles musulmans de connaître leur statut de diabète et de tension. Chaque année, nous on organise la consultation gratuite. D'abord, les hommes qui ont des maladies, l'estomac, ils puissent jeûner facilement. Cette action humanitaire de la coordination des jeunes musulmans pour la paix et le développement du cercle de Kaï mérite le soutien des autorités religieuses. Cette consultation gratuite, ça signifie solidarité islamique. On félicite la coordination des jeunes musulmans du cercle de Kaï avec ses partenaires. Ces consultations gratuites suivies de dons de médicaments ont été rendues possibles grâce à la collaboration entre le cabinet médical Santé Plus, la clinique Tiria et la clinique Saba de Kaïndin. Le mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration et après c'est un mois de solidarité. Donc maintenant, un mois d'adoration pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin d'être prêt spirituellement. Donc quand on est prêt spirituellement, on doit être accompagné sur le plan physique, c'est-à-dire la santé. Donc maintenant, nous, la coordination des jeunes musulmans, les jeunes musulmans, on s'est placé dans cette logique d'aider les gens sur le plan santé. Notons que ces consultations gratuites qui sont à la 6e édition interviennent à l'approche du mois de Ramadan. L'IPR IFRA de Katibougou, 13e édition de la semaine de l'étudiant polytechnique. Pendant 3 jours, les étudiants débattront sur le thème « Le rôle de l'étudiant dans la résolution des conflits et le développement en Afrique ». C'est de Traoré. Dans sa marche vers des nouvelles innovations académiques, l'Institut Polytechnique Rural de Formation et des Recherches Appliquées, IPR IFRA, abrite la 13e édition de la Semaine de l'étudiant en Polytechnique avec beaucoup d'ambition à atteindre. Face aux nombreux conflits qui secouent les continents africains, les étudiants ipériens veulent apporter leurs solutions à la résolution des conflits et le développement de l'Afrique. Il s'agira au cours de cette semaine d'exposer leur savoir-faire. Elle nous permettra à la fin d'élaborer un rapport sur le thème principal, à savoir le rôle de l'étudiant ipérien dans la résolution des conflits et le développement en Afrique. Votre semaine se déroule dans un contexte particulier. On a collé avec l'actualité. J'ai dit que nous avons été obligés, le peuple malien a été obligé de s'engager dans une guerre depuis 2012. D'autres pays africains sont engagés dans cette guerre-là. Donc le choix du thème est venu bien à propos. Dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ a fait un soutien considérable dans l'organisation de cette semaine de l'étudiant de l'IPR IFRA, notamment pour l'organisation du voyage dans la ferme de Modibo Keïta, dans la zone de l'Office Niger en 4e région. La semaine enregistre également dans son agenda une rencontre culturelle et une conférence débat au plaisir de l'ensemble des étudiants. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance majeure, car il s'agit de promouvoir la culture de l'excellence dans le milieu scolaire et de faire passer le message de paix et de non-violence dans ce monde africain, sujet de tous les tourments. Les étudiants des 14 nationalités de l'IPR IFRA plancheront sur les axes possibles de développement dans un continent de paix et de prospérité. Chaque année, les 7 clubs rotaractes du Mali changent de président à l'occasion de la fin d'année rotarienne. Une passation de collier des présidents a donné lieu à une soirée gala à l'hôtel Olympe. Abdoulkarim Kaba pour le détail. Le dîner gala des Rotary Club du Mali, c'est tout un programme. D'abord, l'hymne de Rotary International, la remise d'attestation au club et aux personnes qui œuvrent pour la bonne marche du club service. Le clou de la soirée a été la passation de collier entre les présidents sortants de cette club et les entrants. À travers ma voix, la coordination nationale des clubs rotaractes du Mali 2012-2013
vous témoigne toute sa reconnaissance pour vos soutiens indéfectibles. Le 1er juin 2012, nous avons accepté de prendre la responsabilité de la coordination nationale des Flavoloterac du Mali avec toute la confiance que vous avez bien voulu placer en nous dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays. Malgré tout, nous l'avons accepté avec fierté. Le premier défi, c'est l'expansion du Rotary ainsi que la promotion du Rotaract. Et l'expansion, ça va au-delà des frontières, c'est-à-dire amener les gens à créer des clubs Rotary et ensuite créer des clubs Rotaract. Donc je vais beaucoup solliciter les présidents des clubs à recruter et à fidéliser les membres afin de permettre à leur club d'être beaucoup plus dynamique et d'être beaucoup plus performant. Au cours de la soirée, certaines personnes ont été distinguées ambassadeurs de paix. Ces distinctions sont une gratification de la Fédération internationale de la paix universelle. Lancement de la 3e édition de l'opération Courage Commando en commune 4 du district de Bamako. Il s'agit d'une opération d'assainissement de grande envergure pour lutter contre les inondations en cette saison de pluie. Batraoré. C'est parti pour la 3e édition de l'opération Courage Commando. Il s'agit pour les populations d'écurer leurs caniveaux et d'appeler la mairie à l'enlèvement des déchets. Des numéros verts sont ouverts. Ce sont le 76 41 65 21 et le 20 29 64 94. L'objectif est d'éviter les inondations en cette période hivernale. C'est une activité annuelle chez nous. À la veille de chaque hivernage, nous organisons une opération qu'on a appelée opération Courage de caniveau. Mais vraiment, c'est en complicité avec la population de la commune 4, puisque c'est eux qui sortent pour faire le curage des caniveaux. Et la mairie envoie un camion avec des manœuvres pour ramasser les boucs et les amener hors de la ville. L'État même organise des opérations de curage de caniveaux, mais ça c'est généralement les collecteurs et surtout la protection des voies. Mais ce que nous faisons ici en commune 4, ça concerne beaucoup plus l'intérieur des rues. Dans cette campagne d'assainissement, les autorités municipales de la commune 4 affirment bénéficier de l'accompagnement de certains partenaires dont Orange Mali. Le coût de l'opération est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Sport basketball, les dames du Djoliba AC et les messieurs de l'AS Real ont remporté la phase top 12 du championnat national de la discipline en dames. Le Djoliba AC a battu le stade malien 54-46. Chez les messieurs, l'AS Real a gagné 66-60 devant l'USFAS. Les mêmes équipes se retrouveront pour les playoffs du championnat, nous signale Kodisibi. Quel que soit le niveau de l'une ou l'autre formation, Stade malien de Bamako, Djoliba Athletic Club reste l'affiche la plus attrayante de notre basket. Le Stade malien qui a rarement perdu cette saison à la faveur des pronostics. Mais les Rousses du Djoliba sont crédités d'un bon départ avec un jeu intérieur bien huilé qui prend le dessus sur la défense du Stade malien. Les partenaires de Kankou Koulibaly se contentent d'actions sporadiques et sont logiquement menés à la mi-temps 36-22. Troisième acte de jeu, les Stadistes commencent à se retrouver. Les Djolibistes sont sereines grâce à l'écart qu'elles ont pu se faire. Fort de cette avance, le manager Djolibis essaie de tourner son effectif. C'était sans compter avec la détermination du Stade malien de refaire son retard. Les tirs extérieurs de la meneuse Awa et les pénétrations de Fatmata Bagayoko font des ravages dans la défense Djolibis. Mais dans le money time, les joueuses du Djoliba, à l'image de Fatim Guindo, gèrent bien les possessions et l'emportent 54-46. Auparavant, en série messieurs, l'USFAS, l'invité surprise de la finale, croisait le fer avec l'AS Real. Les militaires tombeurs de l'AS Police font mieux que se défendre. Les scorpions du Real ont recours à des tirs extérieurs pour venir à bout d'une équipe volontaire de l'USFAS 66-60. Ces différents finalistes se retrouveront pour les play-offs. Stade malien du Djoliba Athletic Club en dame et AS Real USFAS en série messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez pour les éditions du soir des Sissoko. Un bonjour aux Maliens de la diaspora, particulièrement à ceux de Pointe-Noire au Congo. Merci, bon appétit à tous.